Salut, c'est Neoloukos. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le troisième et dernier épisode de Unicorn et on s'attaque directement au monde de la neige. Tu arrives dans le monde des neiges. Il y fait froid, certaines plateformes sont glissantes. Il faut faire attention. Oui, je m'en doute. Ça, je peux pas le casser. Alors, ah, il y a un petit ennemi là. Voilà. Ouh, j'ai peur. Enfin, il m'a quand même vu. Ah, ça c'est chiant, ça. C'est les jeux qui fichent pas les ennemis. Plusieurs paquets cadeaux sont cachés dans les mondes. Pour les ouvrir, il faut tourbillonner avec clic gauche ou X. Ah, d'accord, super. Alors j'ai un petit peu mal à la gorge là, j'espère que ça s'entend pas trop. Alors je suis en train de me dire que c'était peut-être celui-là le premier monde, hein, parce que je pensais qu'il y avait pas d'ordre, mais apparemment si. Bon, après c'est pas particulièrement gênant, ça m'a pas gêné pour jouer quoi. Ah, je flotte. Alors, je pense que je sais déjà quel jeu va remplacer Unicorn, mais je suis pas trop sûr, parce que je viens de penser que finalement j'en avais un autre. Ah, je sais pas trop lequel ce sera. Enfin bon, je saurai d'ici là. Non, je pense que finalement ce sera pas... Comment ça s'appelle ? Reflection of a Fallen Feather. Je pense que ce sera pas celui-là, celui-là je le ferai peut-être plus tard. Et puis de toute façon, oui, j'ai déjà Portal, je sais pas quand ça va se finir. En fait, le problème, c'est surtout qu'avec une vidéo par semaine, bah, c'est déjà une par semaine, c'est un petit peu dur des fois de tenir le rythme. Mais c'est quand même assez peu, quoi. Ce qui fait que des séries qui sont pas forcément très longues, comme en plus c'est une fois toutes les trois semaines que je fais un épisode d'une série. La série a beau ne pas être très longue, ça dure quand même, ça s'étale sur très longtemps quoi. Mais je peux pas faire mieux quoi. Il y a un autre ennemi là-bas. Oui. Coucou. Qui m'a fait mal quand même. Ah. Bon ça c'était juste très très nul. Pour monter ce mur, il te suffit de réaliser des wall jumps. Tu dois faire face à un mur et sauter contre celui-ci. Et répète les wall jumps jusqu'en haut. Allez, ça doit être celui-là le premier niveau. Voilà. Ok. Je préfère quand même largement ce niveau-là au précédent, niveau musique, tout ça. Enfin, il était sympa le précédent, mais la musique était un petit peu... Je sais pas comment dire, elle était un petit peu lugubre. Enfin, peut-être pas lugubre, elle était peut-être un petit peu triste, enfin, elle était pas particulièrement joyeuse. Là, c'est une musique qui est plutôt joyeuse. Mais qui, en plus, évoque très bien, je trouve, le thème de Noël. En tout cas, le thème de la neige. Non, raté. Si, il m'a pas détecté. Ah si. Alors.
Ah ça glisse pas pour l'instant. Bon, j'ai réussi à tomber dans le trou, je suis quand même très doué. Bon, on se retrouve. On va plutôt passer par là, ouais. Ah bah, c'est celle-ci qui glisse. Elle glisse pas qu'un peu, là. Hop. Oh. Voilà. Maintenant, je vais faire le chemin le chemin dans l'autre sens. Je comprends pas comment j'ai pu faire pour tomber dans le trou là, mais jamais auparavant. C'était vraiment très nul. J'ai eu peur, j'ai eu très peur. Bah, c'est par là qu'il faut que j'aille. Voilà. Ah, j'ai réussi. Ah, je suis pas tombé. Ah. Alors, encore une fois, on a plus de pièces que nécessaire. Je sais pas du tout pourquoi. Pouvoir s'arrêter là. Ce qui est marrant, c'est que même en ayant recommencé depuis le début le niveau, alors je suis en train de flipper un petit peu, je vais finir de dire ce que je suis en train de dire pour ne pas me déconcentrer sur les hand spinners, on va dire. Même en ayant recommencé le niveau depuis le début, j'en suis pas encore à 10 minutes. Là, ça fait 10 minutes, voilà, très utile. Alors. Oh, oh, oh la vache. J'ai très peur. Grosse pression là. Ouais. Apparemment, il y a une histoire que, comme quoi ce nuage, si jamais on le déclenche alors qu'on n'est pas dessus, on est dans la merde, faut recommencer le niveau depuis le début. Bon, là, ça va, ça s'est bien passé. Sauf là-bas, hein, c'est un petit peu nul. Et voilà. Bon, je viens de me rappeler que, avant de faire l'outro, il faudrait peut-être que j'aille libérer les autres. Bravo! Vous avez reconstitué la clé, vos amis licornes sont en liberté. Et voilà. Ce jeu est très court mais très sympa, de par son histoire comme ses graphismes. Aussi, les niveaux ont des thèmes variés, et même des spécificités en fonction de leur thème. Par exemple, la gravité est plus faible dans le niveau de l'espace, où les plateformes sont glissantes, enfin certaines, il n'y a quelques plateformes glissantes dans le monde des neiges. Même si dans le monde des bonbons, je me rappelle pas qu'il y avait quoi que ce soit de particulier. Pour les défauts, je dirais qu'il y a l'absence totale de checkpoints. Mais bon, vu la durée des niveaux, finalement, je suis pas trop sûr que ce soit vraiment nécessaire. Et peut-être l'inutilité des ennemis. C'est dommage qu'ils ne donnent rien ou qu'il ne soit pas nécessaire de les tuer. Et les wall jumps aussi qui sont possibles partout. Aussi, l'ordre des mondes n'est indiqué nulle part. On ne sait pas par quoi commencer, là j'ai commencé par le monde des bonbons, et pourtant apparemment c'était le monde de la neige le premier. Enfin je suppose, hein, vu tout ce qu'ils nous disent, que les cadeaux on peut les casser, ou
comment faire des wall jumps. Bon, après, c'est négligeable puisque le jeu a été développé assez vite et que ce sont pas franchement des défauts qui sont particulièrement gênants. Et que malgré ces défauts-là et la vitesse à laquelle il a été développé, il est pas du tout mauvais. La semaine prochaine, on se retrouvera pour l'épisode 2 de Portal. Ensuite, la semaine d'après, ce sera du Minecraft. Et on se retrouve dans 3 semaines sur un nouveau jeu. Et sur ce, à plus.